des groupes de résistants dans l'Utah et le Nevada. Des camions coréens remplis de kérosène s'approchent de la zone du lac Tao. La résistance est sur le point de les intercepter. Nos soldats ont besoin de toutes les ressources que nous pouvons leur fournir pour repousser les occupants. Communiquez grâce à ces canaux de radio cryptés. Et comme toujours, je serai là pour vous guider. C'était la voix de la liberté. On pénètre dans la zone morte. Les fréquences radio risquent d'être pourries dans ces montagnes. On est à un peu moins de 8 km de terre. Bon. On va mettre la main sur ces canons, c'est bien. Sinon, tout le plan de San Francisco est foutu. Les armes du but étaient droit devant. On doit se rapprocher. Détruisez ces véhicules d'escorte pour qu'on puisse intervenir. On va rattraper ce qu'on voit, allez! Faut qu'on se débarrasse de ces transports de troupes. Tirez-leur dessus! Rejoignez les camions et adoptez la même vitesse qu'eux. Hooper, ouvrez la portière. Vous êtes cinglé. Hors de question que je saute dans un véhicule en déplacement. Soit vous y allez volontairement, soit je vous aide. Dans les deux cas, vous finirez dans l'un de ces camions. Débrouillez-vous pour qu'on monte tous à bord de ces camions avant qu'ils atteignent le poste frontière. À vous de jouer, Jacob. Je le ferai pas. Allez-y. Déposez-moi sur le premier camion. Allez! Oh merde! Plus jamais ça! Beau travail! Appuyez sur le champignon et vous arrêtez pas avant d'avoir atteint San Francisco. Par là.
problème. Un peu de four, ça devrait aller.
Éloignez-vous de retourner à votre camion. Peur. Et vous serez hors de portée de l'explosion. Faites les sauter. Ces enfoirés. Ici Connor Morgan de la résistance Montrose, Colorado. On a 3 camions citernes à livrer à l'armée américaine. Bien compris, vous arrivez juste à temps. On a établi une base opérationnelle avancée à Sausalito. On vous retrouve là-bas. Bien sûr. Terminé. On y sera d'ici 3 heures avec une escorte. Résistance terminée.